Salut, mon nom c'est Sébastien Foucan. Je fais partie d'une génération qui est connue comme les fondateurs du parcours. Oui, donc je suis l'une des personnes qui sont à l'origine de la discipline qu'on appelle parcours. Et voilà, je me considère comme un ambassadeur du mouvement en général. Et au-delà de tout ça, je me considère comme un explorateur. J'ai grandi à Lys. C'est dans une famille nombreuse. J'ai toujours aimé bouger. J'ai toujours aimé le sport. Lys, c'est une petite ville. Donc, j'ai rencontré David. Et c'est avec David que j'ai commencé à pratiquer le parcours. À cette époque-là, David déjà avait un niveau bien plus élevé que le mien. Et lui, il était, dirigé parce qu'il suivait son père, en fait. Il voulait faire quelque chose par rapport à son père. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de combattre mes démons, en fait, mes propres peurs. J'ai jamais été quelqu'un d'audacieux. J'avais le vertige. Donc, cette pratique est parfaite pour ça. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis lié d'amitié avec lui. Après, on a été à Sarcelles, on a rencontré ses cousins et on a fait de plus en plus d'amitié. Puis voilà, on a créé tout un groupe. Et puis l'histoire que les gens connaissent, quoi. Pour moi, c'était un truc entre potes. J'ai toujours fait les trucs entre potes. Donc, j'ai jamais vraiment compris la dimension sérieuse que ça. Je l'ai compris que plus tard, en fait. Mais quand je suis arrivé, par exemple, David était déjà dans une quête assez sérieuse par rapport à lui-même. Et moi, je comprenais pas. Moi, j'étais plus dans un truc de recherche d'amitié. Donc, il y a eu très tôt cette pratique sérieuse, discipline. Mais pour ma part, moi, c'était... En fait, le physique m'a jamais repoussé, donc les choses physiques. Mais j'étais plus dans une démarche cool, quoi. Alors pour moi, j'ai compris que c'était le truc de ma vie très tard. Parce que, bon, on a tous une façon de penser différente. Mais moi dans ma tête, j'étais toujours... j'étais conditionné et j'étais éduqué comme ça. Si je voulais chercher un boulot sécurisé et trouver un emploi, avoir des qualifications et tout ça. Donc moi, pendant très longtemps, même quand on avait fait stade 2, même après stade 2, j'étais dans une démarche de chercher un boulot et un boulot stable. Donc là où j'ai commencé à le comprendre, c'est vraiment... Ça a commencé avec... un événement qu'on a fait en Allemagne, Ford. Et en fait, j'en avais assez marre des boulots que j'avais fait. J'étais agent de sécurité incendie, ça m'a vraiment saoulé. Donc faire des ronds pendant des heures, ça m'a vraiment saoulé. Donc après, quand j'ai commencé à toucher le milieu artistique, j'ai compris qu'en fait, je voulais, et je le dis même encore maintenant, en fait, je veux être entouré d'artistes et vivre comme un artiste. Donc ça, c'était mon moteur. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre aussi que j'avais quelque chose. Quand j'ai fait ça, mais aussi quand j'ai fait Nike, j'ai fait ce qu'on appelle Hungry Chicken, en fait, le poulet en colère. Et là, j'ai compris en fait ce que les amis ne pouvaient pas me dire en fait, mais que j'avais quelque chose en fait. Je me suis jamais considéré comme le meilleur, et souvent en fait, je me considérais et je me plaisais plus comme la personne qui suivait et qui était derrière. Jusqu'à ce que j'ai compris en fait que j'avais quand même quelque chose. J'étais peut-être pas le meilleur, mais j'avais quelque chose. C'est là en fait que pour moi les choses ont commencé à bouger. Moi j'ai toujours eu le naturel d'encourager, mais dans l'état d'esprit où on était, c'était un peu tu fais ou tu fais pas en fait. On n'est pas là pour te taper sur le dos et te dire ouais c'est génial. C'était plus on est des guerriers, on va dehors, on va à la guerre, on rentre. Il n'y a pas de félicitations, c'est juste un code d'honneur. Celui qui le fait, il le fait, celui qui le fait pas, ben il le fait pas. Mais voilà, il a que ses yeux pour pleurer, il rentre et tu rentres et voilà, c'est bon, tu l'as pas fait. C'est à toi de trouver toi-même la solution. C'était pas une époque genre de pédagogie où il faut réfléchir et tout ça. On était des jeunes, hein, on était 15 ans, 14, 15 ans, voilà quoi. Alors l'histoire du free running, ça a commencé, en fait c'est ma faute. En gros, ce qui s'est passé avec cette histoire, c'est qu'il y a une période avec David, maintenant comme je m'entends très bien avec David, mais il y a une période où on s'est séparés. Vraiment, bon voilà, on n'a pas du tout les mêmes façons de penser. Je pense qu'il avait fait 7 à 8, et en fait la façon comment il a été portraitisé dans 7 à 8, moi ça m'a touché parce qu'il y a certains aspects qui n'étaient pas corrects pour moi en fait. Peu importe, c'est la vie. Et à cette période-là, comme je dis, David lui, moi j'ai toujours accepté, hein. David il fait ça pour son père. Et David pour lui c'est un héritage, c'est l'héritage de son père, voilà, c'est son histoire, c'est son père. Donc parcours, et c'est pour ça qu'il l'a appelé P-A-R-K-O-U-R, d'accord. Donc au début nous c'était parcours, on dit juste parcours.
Donc c'est PARCOURS, comme en France, en fait, parcours du combattant. Et en fait, David, lui, pour lui, c'est vraiment pour revendiquer, c'est le truc de mon père. Donc maintenant, pour bien le différencier, je vais l'appeler PARCOUR. Donc c'est vraiment clairement pour dire, c'est ma méthode, ma façon de faire. Donc moi qui respecte ça, je me suis dit, ben moi je vais faire mon truc, parce que c'est quand même des années aussi que je pratique, et j'ai mes idées à moi, et donc je vais partager mes idées. Et en fait, je voulais pas prendre, je voulais pas faire parcours en fait, bien que j'étais très attaché à parcours. Et j'ai dit, ben, c'est Guillaume Pelletier en fait, hein, une personne qu'on connaissait, qui a dit, ben, pourquoi tu n'appelles pas free running? Parce qu'en Angleterre, moi je parlais pas anglais, hein, je disais deux mots en anglais. Et en fait, il dit free running, parce que c'est plus universel, et les gens ça peut toucher, puis il y a ce côté liberté, et puis il y a running, et je dis, ok, pas de problème. Et c'est là que ça a commencé en fait. D'ailleurs, dans Jump London, on m'entend, des fois, je dis, à un moment, je dis parcours, et à un moment, je dis free run. Parce qu'en fait, je ne savais pas encore, c'était encore la genèse. Donc, l'histoire du free run et free running, ça a commencé littéralement à partir de Jump London, vraiment à cette période-là. Ce qui s'est passé, c'est que là, c'est plus mon vécu. Je ne vais pas parler du vécu à David, parce que c'est à lui d'expliquer son vécu. Mais par rapport à mon vécu, à moi, j'ai vraiment eu l'expérience de... C'est comme si on commence à te mettre le fondateur de quelque chose, mais les gens n'acceptent pas vraiment que tu sois fondateur. C'est comme si en fait tu dis je suis fondateur du free running, mais tout le monde y va de sa petite sauce à définir ce qu'est le free running. Donc certains vont dire non, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. En fait, les détracteurs vont dire bon, on s'en fout, il n'y a rien créé, il n'y a rien du tout. Et il y a d'autres qui vont dire oui, non, c'est notre truc et c'est un nouveau truc et tout ça. Mais ceux qui ont dit c'est un nouveau truc, c'est pas pour être dans le même alignement que moi en fait. C'est plus dans une question de merchandising, de faire de l'argent et de dire ouais, bah en fait, voilà, le parcours, les purs, on va le laisser et nous, on va faire quelque chose avec le free running. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé en gros. C'est ce qui s'est passé. Donc le free running est devenu plus commercial, on va faire des trucs avec l'argent. Et le parcours, il a été un petit peu préservé dans ce sens-là. Et ça fait deux écoles en fait, deux groupes qui, on va dire, au bout d'un moment, c'était un petit peu en Angleterre. Après, je pense que c'est parti un petit peu aux États-Unis, parce que l'Angleterre, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont vraiment embrassé le parcours tel qu'il est, vraiment dans son essence. Et donc voilà, donc en gros le free running c'est quelque chose que j'ai fait, mais pour moi c'était encore quelque chose qui était en train de se faire, c'était pas fini comme maintenant, quand, là si je parle de ce que je fais, et je dis de ce que je fais, je parle pas du free running, ou je parle de ce que je fais, maintenant c'est beaucoup plus mature qu'avant. Et c'est pour ça que maintenant je dis que je suis un explorateur, en anglais je dis un explorer, et en fait c'est ça, c'est parce que maintenant j'ai bien compris ce que je suis en fait. J'ai jamais renié le parcours, j'ai jamais renié le free running, mais maintenant je me considère vraiment comme un explorateur. C'est-à-dire que pour moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, que ce soit en mouvement ou pas en mouvement, j'ai retrouvé le truc d'origine qu'on avait quand on était enfant, c'est d'explorer. Et en fait, c'est ça. Un peu comme dans les arts martiaux, comme dans tout, en fait. Maintenant, il y a même ADD, art du déplacement. Donc voilà, c'est pour vraiment dire que c'est comme dans les arts martiaux. En fait, chacun veut avoir sa voix et donner un peu sa propre sensibilité à son truc. À la base, c'est quand même du mouvement. Le free running... officiellement, pas par moi, mais c'est vraiment pour moi, quand on regarde, c'est les mecs qui font des accros, ils font des tricks, ils vont dehors, ils font des accros, qui mélangent avec de la gymnastique et qui mélangent avec du parcours. Voilà, c'est ça le free running. Le parcours, c'est les mecs qui font du parcours, ils vont juste à l'essentiel, ils font ce qu'ils ont à faire. Maintenant, la difficulté, ce qui s'est passé, c'est maintenant tu peux rencontrer quelqu'un qui dit je fais du free running, mais qui fait du parcours. Il est plus dans l'efficacité. Et tu peux rencontrer quelqu'un qui fait du parcours, vraiment pour lui, mais qui fait des acrobaties et tout ça, et qui fait du parcours. Donc en fait, ça s'est mixé, ça s'est une espèce de mélange qui s'est fait, et on ne s'y retrouve plus. C'est même quand on fait une interview, c'est super compliqué. Donc en règle générale, oui, c'est un peu des deux. Et donc voilà, c'est comme ça. Mais en fait, les gens font ce qu'ils veulent maintenant. C'est la génération qui fait ce qu'on veut. C'est la génération un peu... c'est une génération où il y a... Certains ont du respect, mais il y a aussi un grand fond de non-respect qui a été clairement installé, je pense, c'est mon avis à moi, par Urban Free Flow. Il y a une période d'Urban Free Flow où ils sont installés comme la mouvance et en fait presque limite à la limite de « on s'en fout des fondateurs ». Tu vois, il y a eu ce truc-là. Et ils ont surfé aussi sur la querelle entre les fondateurs. Ce qui est, parce que nous aussi, c'est pas que eux qu'on fait du mal, hein. Nous aussi, on a mis notre propre bordel, en fait. Et tout ça, ça a participé à comme c'est maintenant, en fait. C'est que même aujourd'hui, les fondateurs entre eux, j'aime pas ce mot, les fondateurs, mais peu importe, allez, les fondateurs entre eux, s'entendent. Il y a encore des trucs, des non-dits, des trucs qui sont un peu bizarres, quoi. Et ça participe à le fait que ce soit pas installé. Si tu fais, par exemple, tu fais de l'aïkido, il y a un maître, c'est l'ueshiba, c'est le maître, et après il y a le lineage. Bien sûr, je suis sûr qu'il y a des querelles, mais il y a quand même, à la base, en haut de la pyramide, il y en a un. Nous, c'est quoi? C'est quoi? Parce que la pratique a évolué,
Ok. Maintenant, il y a une forme de responsabilité. Avant, il n'y avait pas cette forme de responsabilité. C'est-à-dire qu'on pratique ensemble, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, je ne t'ai pas forcé, tu fais ce que tu veux. Maintenant, c'est différent. Maintenant, il y a des notions de coaching, d'enseignement, il y a une amplification. Maintenant, ça a été médiatisé. Donc, plus d'enfants le voient, plus de personnes le voient. Donc, il y a une part de responsabilité qui doit être prise en compte. Donc, maintenant, il faut faire attention à comment on pratique. D'un autre côté, mon côté artistique fait qu'il y a aussi cette liberté qu'on doit garder. Parce que c'est ce qui fait la beauté de la pratique. Donc en gros, physiologiquement parlant, il va falloir faire attention parce que le corps humain a des limites. Et ça, au bout d'un moment, ils vont l'apprendre. C'est-à-dire que l'usure mécanique, on peut pas. Tous les sports connaissent ça. Donc il y a un moment, il y a des choses à comprendre. Et ça, voilà, il faut comprendre. La liberté d'expression, c'est une chose très importante. Mais aussi, ça veut dire quoi? Où sont les barrières? Tu vois, il y en a, ils vont dire, ouais, mais maintenant, c'est bon, tout le monde va venir dans mon jardin. Non, on parle pas de ça. Parce qu'il y a des gens, on est d'accord, la limite, là, c'est ton jardin. Mais si par exemple je grimpe dans un arbre qui est public et je viens de descendre l'arbre, t'as pas le droit de grimper, là ça pose, c'est pour ça, c'est la beauté aussi de la pratique, ça pose aussi ce problème là, c'est quoi les barrières en fait? Comment on a passé les barrières? Qui a décidé? Pourquoi je peux pas me mettre sur un banc et faire du balance sur un banc? Est-ce qu'un banc ne peut pas avoir plusieurs fonctions? Est-ce qu'il doit avoir une seule fonction, juste être sur le banc? Parce que dire oui mais tu salis le banc, pas forcément. Parce que nous on pratique et on sait très bien qu'on on se balade pas avec des chaussures pleines de boue. Donc on a une façon, on a une technicité. Je crois qu'on abîme moins que, par exemple, on va dire un skateboarder et un rollerblader quand ils font leur truc avec la wax et tout ça. Tu vois, ils abîment vachement le mobilier urbain. Je ne vais pas casser du sucre sur eux. Mais je veux dire, juste pour revenir à nous, nous avec nos baskets, mis à part les traces qu'on fait quand on fait des sauts de bras et compagnie, à part ça, on ne fait pas vraiment beaucoup de dommages. Donc en fait, pour revenir à ce que tu disais, c'est un peu oui et non. Il faut mettre des barrières, mais je ne veux pas que ce soit des gens qui viennent des bureaux qui nous mettent les barrières. Ceux qui mettent les barrières, c'est ceux qui pratiquent. Et des gens adultes, pas des gamins de 13 ou 14 ans qui pensent que ça y est, ils savent tout et parce qu'ils sautent plus loin, c'est bon, ils vont refaire le monde. Non, non, non. Il faut que ce soit quelqu'un qui a pratiqué, qui est passé par 14 ans, qui devient un adulte et qui comprend des choses. Peut-être qui est parent ou tout ça, qui a une responsabilité et qui comprend qu'il y a des barrières. Et ça, c'est comme ça que la discipline, elle doit se faire. Pas par des gens qui viennent de l'extérieur et parce qu'ils ont peur aussi, parce qu'ils disent oui, maintenant c'est avec la folie, ils vont sauter partout. Ou l'autre, comme je dis, c'est les deux extrêmes. L'autre qui dit, bah, moi je peux faire ce que je veux parce que je fais du parcours, on m'attrapera jamais, je vais partout. Et l'autre qui dit, bah, non, attention, c'est n'importe quoi, c'est même pas un sport, il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit dans une salle et tout ça. Alors que nous, clairement, on dit non, ça peut être partout. Le monde, c'est notre playground, c'est notre jeu, c'est notre aire de jeu. Donc oui, je disais que les choses que Patrick Léger fait, ça s'apprend pas dans les écoles. Lui, on va apprendre l'escalade avec des cordes, on va apprendre ça. Donc, et après, il y a le haut niveau, il y a un autre niveau. C'est un niveau personnel, c'est comme Lord Hamilton qui va surfer des géants de vagues. Il y a des écoles de surf, ok, mais il y a aussi des géants de vagues. Donc on peut pas dire non, maintenant c'est interdit les vagues. Parce qu'en fait, ça coupe aussi la force de ce qu'on fait en fait. Et le parcours a ça. Mais maintenant, le problème, c'est que tout le monde veut faire la grande vague. Mais il faut arriver à un certain niveau pour faire ça. Donc ouais, il y a des risques. Parce que aussi, comme je dis, bah, comme dans tout. Hein. Comme je dis, c'est la nature. De toute façon, je dis souvent, c'est section naturelle. Hein. Au bout d'un moment, si tu nies les risques, tu vas être confronté à la nature. C'est pas moi. J'ai rien besoin de dire, moi. J'ai pas besoin de me positionner en maître et dire attention, nanana. Je peux dire attention, mais si tu m'écoutes pas, tu vas comprendre très vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des morts. Hein. C'est pour ça qu'il y a des morts. Hein. C'est parce que, voilà, tu penses que t'es invincible. On n'est pas invincible. Donc ça, c'est la réalité. Mais moi, je suis quand même attaché à cette liberté. C'est pour ça que même quand il y a le groupe Storor aussi qui fait des trucs. Ils ont fait leur truc en Asie, là. Moi, j'ai mis un message. J'ai adoré ce qu'ils ont fait. Pour moi, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Alors bien sûr, on va dire que c'est toujours borderline. Mais moi, je suis de la génération. Je regarde les trucs BMX, skateboard, surf. Et j'en passais des meilleurs. Tous les gens qu'on a admirés, ils ont toujours été un petit peu borderline. J'encourage pas les gens d'être borderline, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à la pratique, c'est ce qui amène cette fraîcheur. Si on met trop de barrières, et c'est comme dans les arts martiaux. Trop statique, tu deviens un robot. Trop loose, trop relax, il y a pas de fondation. Et en fait, c'est ça qu'on doit apprendre ensemble à arriver à un truc où il y a un juste milieu. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir des institutions et tout ça, mais trop d'institutions, il faut faire attention. Parce qu'ils vont mettre des règles. Avec ces règles-là, on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait, en fait. Ce serait les choses qu'on a fait, nous, je vous expliquais en plus des choses. Les choses qu'on a fait, nous, bah, les gens disent non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est interdit. Pas interdit parce qu'on casse ou qu'on pille ou qu'on tue quelqu'un. C'est interdit parce que c'est juste parce que ça ne se fait pas. C'est aussi simple que ça.
Oh là là, ça c'est une question puissante. Moi je dirais c'est le poulet en colère. C'est le déclic pour moi. C'est ouais, c'est tout. C'est vraiment le déclic. Avant ça j'avais un mode de fonctionnement et après ça j'avais un autre mode de fonctionnement. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à croire en moi en fait. Mais avant ça, j'étais content d'être avec les copains. Comme je dis, je pouvais même les voir s'embrouiller entre eux, comme je dis, il y a des périodes des querelles. J'ai jamais participé. Si tu regardes bien, tu vas dire, mais c'est vrai, j'ai pas parti pris. J'étais pas avec David, mais j'étais pas avec les Yamakasi. Si on parle vite fait de l'histoire, j'ai jamais vraiment été dans le parti pris. Bien que j'ai mon parti pris. Ok. Donc moi, oui, carrément, j'ai carrément changé ma façon de pratiquer avant. Mais on va partir longtemps, parce que l'évolution, elle a... Je sais même pas si je pratique encore du parcours, pour dire. En fait, tu vas me voir bouger, tu vois, ici, il bouge encore. Mais je sais pas si je pratique encore. Comme je dis, moi, j'ai évolué, j'ai fait parcours, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu les bons côtés du parcours, ce que ça m'a apporté. Être plus audacieux, risquer plus, tu vois, avoir une notion différente du risque que les gens ont normalement. Donc ça, après j'ai dû le traduire dans ma vie parce que je me suis aperçu que je suis peut-être sauté mais je suis incapable dans la vie, tu vois, vraiment. Et vu que moi j'ai travaillé, j'étais dans le milieu du travail, j'ai eu cette notion là assez tôt. Donc après je me suis dit ouais, mais il faut que ça me serve pour quelque chose. Donc après je me suis dit, est-ce que tous ces réflexes que j'ai développés dans ma pratique, est-ce que je peux les appliquer dans ma vie? Donc c'est là que j'ai commencé à développer mon idée de free running en me disant ouais, tu peux prendre des choses et mixer, faire ton truc. C'est parti en cacahuète. Donc c'est devenu ce que c'est devenu, peu importe. Et après j'ai évolué, comme je dis, j'ai des notions du corps que je dis, pour moi c'est pas normal qu'on saute toute l'année, tout le temps, sur du béton tout le temps. Donc ça c'est ma propre conclusion. Il faut dire à la période de Jump London, par exemple, j'avais déjà décidé que je faisais deux sauts de fond à l'année. Tu vois, j'avais pas dit, il y a que Jérôme qui le savait et tout ça. J'ai dit non, maintenant je fais deux sauts de fond à l'année. C'est-à-dire que dès que je faisais un gros saut de fond, je fais ça et c'est bon, j'en ai fait un, j'en ferai peut-être un autre dans quelques mois et c'est tout. Parce que j'avais déjà cette notion de l'usure mécanique et j'avais déjà complètement inclus que le corps c'est un véhicule et en plus j'aime tellement bouger, j'ai horreur d'être blessé, ça me saoule parce qu'en plus tu vois tous tes potes s'exprimer et en plus ils progressent et toi t'es là en galère. Donc ça je l'ai vraiment compris et en fait je l'ai inclus dans mon truc. Donc j'accepte que d'autres faisaient les trucs et moi je regarde, ouais, c'est bon. Donc oui, ma pratique a complètement évolué. Et ça, ce que je vous dis là, c'était il y a... c'était 2003-2004. Alors imagine maintenant avec mes trucs, avec les saisons. Alors je suis les saisons, j'ai mes trucs de mon niveau de maturité, niveau de maturité, ton niveau technique, tout ça qui fait que même quand quelqu'un dit je veux m'entraîner avec toi, je fais mais non, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu sais pas ce que je cherche à faire, tu sais pas quel niveau j'ai, tu sais pas quel niveau de maturité je suis et tu suis même pas les saisons. Donc c'est juste, ça sert juste à rien. Tu vas me faire perdre mon temps et en plus je vais devoir t'expliquer. Donc voilà, à ce point-là, c'est là que c'est ma pratique, elle a complètement changé. Et pour mes enfants, pour revenir à mes enfants, ma plus petite, en fait, pratique, elle vient dans mon académie régulièrement, donc elle pratique tout le temps. Elle adore la gymnastique, tu vois, elle veut toujours que je lui montre des trucs. Mais en fait, j'ai toujours eu ce truc avec mes enfants, je ne les force pas, en fait. C'est-à-dire que, parce que j'ai déjà vu des gens qui ont forcé leurs enfants et à la fin, ils ont arrêté. Donc pour moi, j'accompagne. Je suis là, si elle arrête, elle arrête. C'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui pratiquent pas et ils s'en portent pas plus mal. Mais par contre, si je peux donner des conseils, je les donnerai. La chose aussi qui me réconforte vachement, c'est qu'il y a plein de gens que j'admire. Par exemple, quand je vais parler de Bruce Lee, par exemple, et il est mort, j'ai jamais rencontré. D'accord ? Il m'a jamais donné aucun conseil, rien. Et pourtant, je suis à fond des choses qu'il fait. Donc ça me réconforte. C'est pas la peine de forcer, d'encourager, parce que si la personne est mûre et est disposée à écouter et à prendre tes enseignements, elle les prendra. Donc c'est ça qui fait que pour moi, mes enfants, je serai toujours là, mais voilà, ils sont libres. Alors, j'ai fait très attention avec les subir pour plus subir, être et durer, j'en passais des meilleurs, j'ai oublié c'est quoi les autres trucs, être fort pour être utile, parce que tout ça, c'est des périodes de guerre, c'est des périodes qui sont passées. Et ça avait son sens à cette époque, ça n'a plus vraiment son sens maintenant. Être fort pour être utile, non, c'était quoi? Être et durer. Être et durer. Ouais, mais en fait, je préfère ne pas le dire. Parce qu'en fait, on ne sait jamais. Tu vois, l'autre, il peut faire être et durer toute sa vie, puis il meurt d'un cancer. Ou être et durer, tu vois, il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc j'essaye de vivre par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à mon corps, il n'est plus comme quand j'avais 20 ans.
Donc je suis carrément en accord avec Bruce Lee quand il dit qu'il faut être comme l'eau, en fait, l'eau vive ne croupit jamais. C'est exactement ça, il faut toujours être en mouvement, parce que d'ailleurs quand tu t'arrêtes, tu le sens tout de suite. Et c'est vrai que le matin quand je me lève, c'est pas que le matin quand je me levais avant. Et j'ai des périodes. Mais ouais, le physique c'est quelque chose de particulier. Mais maintenant je peux encore faire, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Mais aussi c'est parce que je gère très bien mon corps. C'est-à-dire que j'ai pris des années à faire à contre-courant des autres, du sport traditionnel et tout ça. Et j'ai littéralement refusé de faire des choses que les gens font. Enfin, on me disait, ouais, viens, c'est l'été, on va faire ça. Moi, je fais non. Et des moments, je fais rien. Enfin, moi, j'ai accepté et pendant 3 mois, tu me vois pas bouger. Il a fait, oh, mais tu vas perdre. Mais ça je cherche tout seul. Moi, c'est bon, j'ai compris. Là, déjà, mon niveau, il n'est pas comme il était il y a quelques mois. Mais vu qu'avec la tournée que je vais faire, ben, je vais revenir tout doucement à mon niveau. Et j'ai déjà passé avec le côté de l'ego. Ou vouloir montrer aux gens, oui, c'est Sébastien Foucault, il va montrer. Non, je fais ma pratique tranquille. Et si ça déçoit des gens, ça déçoit des gens. Mais moi, je suis dans un mode de fonctionnement, je suis les cycles des saisons. Je ne suis pas dans un mode de fonctionnement de sport où je dois prouver, où je dois montrer, où je dois... Est-ce que je peux encore le faire, le passement de chat demain? Ça n'existe pas dans ma tête. Donc, vu que je fais ça, je préserve mon corps. Je préserve mon corps des tendinites, je préserve mon corps des impacts. Dès que j'ai une blessure, bah, tu vois, tiens, il bouge pas beaucoup, lui. Bah, j'ai une blessure, en fait. Si tu me demandes, tu dis, ouais. La dernière fois, j'ai éternué, je me suis bloqué un truc, ouais, et j'ai cru que je m'étais déchiré tous les abdos ici, et juste, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Éternuer, et même encore là, je le sens encore un petit peu, mais je gère, tu vois, je gère, tu vois, je fais mes trucs, j'ai pas besoin de pousser, de faire le fou, comme quand t'es jeune, en fait, quand t'es un teenager, là, quand t'es adolescent, tu pousses. Donc en gros, oui, mon corps, il est différent, c'est pas le même. Tiens, on parlait des orteils et tout ça, faut y aller mollo aussi sur les sauts de bras et tout ça, où ton orteil, il fait ça comme ça. Parce qu'en fait, je pense que, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'il y a un renforcement spécial, spécifique qui doit être fait par rapport au mouvement qu'on fait suivant la discipline. Un passement de chat, pas grand-chose. Mais ce truc-là, que l'orteil, il fait ça tout le temps, eh ben, c'est, tu vois, on peut parler des genoux, tu vois, quand tu arrives, tu fléchis. Mais l'orteil qui sort comme ça, c'est comme si régulièrement, regarde, avec ta main, tu fais ça régulièrement. Bah, je peux dire qu'au bout d'un moment, donc faut bien comprendre combien de temps tu as dit que je fais du parcours. 30 ans, bah 30 ans de crac, bah tu vois, c'est pour ça que des fois quand j'ai pas les bonnes chaussures, je suis aïe aïe aïe, ça fait mal, tu vois. Donc après tu gères, mais moi je suis un free runner, non, je suis un explorateur, donc moi maintenant je fais du massage, je regarde le shiatsu, les gens en fait savent pas où je suis branché dans ma tête, mais je regarde trop de trucs, et en fait je prends à chaque fois, je fais, ah ouais tiens, je vais faire ça, donc moi je masse régulièrement, la bouffe et tout ça, pareil, quand je dis, ouais, je mange pas de viande, je mange pas de poisson, alors, ah t'es vegan, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais pourquoi j'ai décidé de pas faire ça, et je suis pas dans une dynamique d'essayer de faire, faites comme moi, c'est juste moi dans mon truc d'explorateur, je fais mon chemin. Donc pour en revenir, oui, le corps, il est pas comme il était avant, j'aimerais bien, c'est vrai que des fois t'es en rien, mais j'ai encore, c'est vrai que comme il y a pas longtemps, j'ai fait le World Chase Tag là. J'ai pas senti que waouh, les jeunes ils sont tellement rapides, j'arrive plus à courir. Non, au contraire, dans ma tête, j'ai encore ce qu'il faut. C'est juste que comme j'ai vu que je modère, tu vois, dans les sports traditionnels, il y a le calendrier, il est tellement fou, c'est toute l'année et après tu dois à chaque fois performer, tu vois, tu dois arriver à un point, mais tu dois tout donner. Même quand on fait un passement de chat, tu donnes pas comme ça. Tu vois, je veux dire, même quand tu fais un saut, hein, on pousse pas comme ça dans notre discipline. Choisis le bon. Non, c'est rien, moi, amuse-toi. Parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de conseils, parce que maintenant, ils ont plus d'accès que nous à tout, quoi. Il y a YouTube, on est dans l'ère de l'information, il a tout ce qu'il veut. Tout ce que je veux dire, c'est, n'essaye pas de faire comme la génération veut aller trop vite. N'essaye pas d'aller trop vite et de vouloir brûler les étapes. Parce qu'il y a une raison, si les anciens, si les anciens pratiquent d'une certaine façon maintenant et ne font plus les trucs qu'ils faisaient avant, il y a bien une raison derrière ça. Et c'est pas parce qu'ils aiment moins, parce que moi, rien, je pratique encore, je suis arrivé, le premier truc, c'est on va bouger, tu vois, donc c'est que j'ai encore ça en moi, tu vois. Mais si je pratique d'une façon différemment, c'est que j'ai évolué. Donc aussi, c'est pareil pour eux, faut modérer. Faut faire attention à ce qu'on voit dans les vidéos, ça donne l'impression que c'est invincible et qu'on peut tout faire et qu'on est des super-héros. C'est pas vrai. Parce que beaucoup de gens cachent derrière. Les gens, ils se font mal et après, hop, je vais cacher. Et ça, c'est dangereux. C'est super dangereux. Donc en fait, je veux dire, pratique, aime, rencontre des gens avec qui tu peux discuter, écoute les gens qui ont de l'expérience parce qu'ils vont te donner des bons conseils et amuse-toi bien et préserve ton corps. Parce qu'il y a des blessures, on ne revient jamais, ça, on n'en parle jamais. On dit toujours, ouais, je me suis fait le tibia, je me suis fait un coin-coin, je me suis fait des trucs. Mais il y a des blessures, tu reviens jamais. Une fois que tu es blessé, c'est fini. Tu te fais un truc à colonne vertébrale, ça y est, toute ta vie.
tu vois. Tu te fais un truc dans le genou, c'est complexe le genou, comme pour l'épaule, c'est une mécanique vachement délicate. Il y a des trucs, si tu le fais mal, tu l'as toute ta vie. Et là, j'ai parlé juste de ça, alors que je dis, il y a les yeux, il y a la tête, il y a des trucs, tu reviens plus. Donc en gros, ça c'est important, il faut que les gens sachent, on n'est pas des super-héros. Ça semble extraordinaire, c'est extraordinaire, mais il y a aussi, on est très fragile, on est une mécanique fragile. La figue. C'est marrant parce que maintenant je suis moins énervé.